direction à présent Rome, la ville éternelle où il y a quelques jours on commémorait la grande rafle de 1943, celle qui a vu les nazis arrêter sous les fenêtres du Vatican la plupart des juifs de la capitale italienne. Près de 2000 juifs romains furent ainsi assassinés par les nazis. Olivia Schmoll s'est rendue dans le quartier juif de Rome, l'ancien ghetto, sur les traces de ces victimes. Reportage. C'est mon père, moi, ma grand-mère, ma sœur. Ma sœur, ma grand-mère et mon père ne sont jamais revenus. Ce 16 octobre 1943, la moitié de la famille de Fernando Tagliacozzo est déportée à Auschwitz. Fernando, alias Nando, n'a pas encore 5 ans. Il est né à Rome en 1938, au moment où l'isolement social et professionnel des Juifs commence. Le 16 octobre 1943, la première grande rafle d'Italie débute à Rome. Les officiers allemands frappent à la porte de l'un des deux appartements qu'occupait la famille Tagliacozzo et leur donne ce mot, écrit en italien. Avec votre famille, avec les autres juifs qui sont de votre maison, vous serez transférés. 20 minutes après la présentation de ce billet, la famille doit être prête pour le départ. Des rafles qui ont lieu dans le ghetto et dans toute la ville. On était tranquillement à la maison quand la matin du 16 octobre, quand sont arrivés les nazis. Nous vivions en des appartements sur le même étage. Mon père, ma mère, moi et mon frère étaient dans l'une. Ma sœur, cette nuit, on ne sait pas pourquoi, elle était allée dormir chez ma grand-mère. Alors, ce matin-là, dans l'autre appartement, il y avait ma sœur, ma grand-mère et mon oncle. On ne l'a jamais compris. On a frappé dans l'une porte et n'a pas frappé dans l'autre. Son père sera dénoncé l'année suivante par l'un des employés de son magasin. Fernando, sa mère et son frère passent le reste de la guerre cachés dans un couvent. En tout, pendant l'occupation, plus de 2000 juifs romains ont été déportés. La moitié, pendant cette rafle du 16 octobre 1943. Plus de 1200 juifs romains sont emmenés vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Seuls 16 en reviendront vivants. Devant ces immeubles de l'ancien ghetto, des plaques, des Stolperstein. Il rappelle aux passants cette histoire du quartier. Dans cet immeuble, 12 personnes d'une même famille ont été arrêtées et tuées à Auschwitz 8 jours plus tard. Dans celui-ci, 100 personnes ont été déportées, symbolisées par cette unique plaque. Sur cette porte, des traces de crosses de fusil utilisées par les Allemands. Palino connaît bien cette histoire. Sa femme et sa famille habitaient ici, dans cet immeuble au cœur du ghetto. Quand les Allemands sont venus ici pour les prendre, ils n'ont pas réussi à rentrer. Avec leurs fusils, ils ont donné des coups et laissé des traces. Ils n'ont pas pu rentrer, donc ils sont passés par l'autre côté. Ici, ils ont attrapé beaucoup de monde, environ 27-28 personnes. Dans le reste du quartier, sont disséminés des monuments rappelant les noms des disparus. Ce quartier, encore aujourd'hui nommé ghetto, est l'un des plus anciens d'Europe, construit en 1555 par le pape Paul IV pour confiner et contrôler la communauté juive, privée de tous ses droits. Des conditions d'extrême pauvreté, les juifs sont traités comme des sous-citoyens. Le ghetto est démoli en 1870, lors de la prise de Rome. Tout est alors détruit, les bâtiments rasés. Des 8 portes qui fermaient le ghetto, il n'en reste aucune. Mais aujourd'hui, ce quartier très à la mode revit. Magasins, restaurants cachers, et sur toutes les tables, à toutes les cartes, un plat commun, l'artichaut à la juive. Un plat né ici, pour une recette typique depuis le XVIe siècle. Une spécialité que les juifs romains mangeaient pour casser le jeûne de Yom Kippour. Dans ce restaurant, on en sert entre 150 et 300 par jour. Jonathan, un Américain de passage à Rome, s'est inscrit à ce cours de cuisine pour connaître les techniques du chef, avec un seul secret. C'est facile, il faut beaucoup d'huile d'olive et un peu de patience. Coupe en forme de rose, ok? Pour couper correctement l'artichaut, avant de le faire bouillir deux fois. Ouvre-le un peu. Attends, pose-le doucement. Avec un prix attractif, 5 euros en moyenne, et un résultat plutôt convaincant. C'est très bon, mais je pense que celui du chef est meilleur. Dans cet ancien ghetto, la vie juive est toujours présente, avec une école juive, des synagogues, et cohabite avec les milliers de touristes qui viennent le visiter chaque année.